tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons pour le défi de Karine 2024. Donc vous savez, on a chaque semaine une nouvelle toile qu'on travaille et qu'on décide d'avancer. Donc pour ma part, j'ai 8 toiles à avancer. C'est moi qui ai choisi le nombre de toiles. Nous sommes déjà dans la quatrième semaine. Il y a déjà eu 3 autres toiles avant. Donc pour rappel, il y a eu la toile Château de Disney pour la première semaine. La deuxième semaine, c'était le dauphin façon vitrail de Marion. Troisième semaine, c'était la toile Yoda, donc la semaine dernière. Et cette semaine, c'est de nouveau un dauphin. Et c'est cette fois-ci mon amie Valérie Lanormande qui me l'a offerte, cette toile. Et c'était cette image-là. Voilà. Les dauphins avec le coucher de soleil. Juste magnifique. Donc, cette toile, elle est en 14 CT. Donc, on la travaille en 2 brins. Elle va être divisée en 99 cases. J'ai donc 11 cases de 2 carrés et 88 cases de 4 carrés. Elle fait 38 par 48 cm et c'est une 220 par 170 points. Et elle avait, enfin, elle a 23 couleurs. Donc, cette toile, je ne l'ai pas trop touchée, hein. Je l'avais fait une fois en visio avec les filles pour la commencer un petit peu avec elle. Donc voilà, on voit bien l'image et on voit bien, voilà, j'avais fait que le petit là, juste là. J'avais fait quelques points. Mais ça suffit, Karine avait dit, une toile commencée. Donc à partir d'un point, elle est commencée la toile. Donc je vous ai présenté la toile, je vais vous faire voir, je tourne la caméra, je vous fais voir donc ma répartition. Voilà donc ma répartition donc avec toutes mes cases. Donc vous voyez bien, 99 cases, 11 cases de 2 carrés, 88 cases de 4 carrés. J'ai fait en sorte d'avoir que des 4 carrés et 2 carrés pour pas avoir trop de grandes cases puisque je fais aussi le défi avec Vanessa, et le défi avec Vanessa, je peux avoir des grandes cases. Je peux avoir des cases jusqu'à 10 carrés, donc ça fait beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi toutes les toiles avec le défi de Karine. Ça dépasse pas 4 carrés normalement. Donc on va regarder quel numéro je vais avoir. Pour cette semaine, je tourne la caméra et je fais le tirage. Allez, c'est parti. Donc, on a dit c'était la quatrième semaine. Semaine 4, elle est là. Voilà. Dauphin. On voit bien qu'il n'y a eu aucun tirage de fait. 99 cases. Et allez, c'est parti. Bon, ça refait comme la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Le premier tirage ne veut pas m'afficher le numéro. Donc, allez, en espérant que cette fois-ci, ça marche. Voilà, cette fois, ça marche. C'est le numéro 90. 90, ok. Alors là, ça va être un peu plus compliqué à te retrouver parce que je n'ai pas mis mon code couleur comme d'habitude. Ah, bien sûr. Ah, il est là, le 90. Donc c'est 4 carrés. Je me fais juste un petit repère. Donc le 90, pour moi, il est ici. Ok.
Alors, sur la toile, qu'est-ce que ça donne? Ça va être dans le dauphin, je crois. Ça devrait être dans le dauphin. Je coupe, je vérifie où ça se trouve et je vous fais voir. Voilà, donc j'ai retrouvé. Ça sera ce carré ici. Donc, cette case-là. Le carré ici, ici, ici et celui-là. Donc un petit carré comme ça. Petit carré, mais il y a l'air d'avoir pas mal de couleurs quand même dedans, hein. Et donc c'est en plein dans le dauphin. Voilà, et ben le tirage est fait. Je vous ai fait voir sur la toile. Il n'y a plus pour moi qu'à travailler dessus et je vous ferai voir le résultat à la fin, comme d'hab. Allez, ciao, ciao, bye bye, bisous, prenez soin de vous.